Prepositions of location and disjunctive pronouns. You have already learned expressions containing prepositions like a, de, and en. Sur, as in le menu et sur la table, is a preposition that describes the location of something or someone in relation to something or someone else. A is another preposition of location. Use it before the name of any city to express in or to. Il étudie à Nice. The preposition used with a country varies. You learn more about that later. But for now, you can use en in many cases. Je voyage en France et en Belgique. Here are a few other prepositions of location. À côté de. à droite de à gauche de dans derrière devant en en face de entre loin de par près de sous sur attention When prepositions that end in DE are followed by a definite article, use DU, de la", DE, L' and DE. Le resto U est à côté du gymnase. Notre chien aime manger près des enfants. Aren't these prepositions easy to use? You can also use them together with TO and JUSTE, to emphasize what you're talking about Le lycée est juste derrière son appartement. Julie Alain travaillent tout près de la fac. Attention, when certain prepositions of location are not followed by a noun, they can be used without de. Ma sœur habite juste à côté. Elle travaille tout près on essaie? Or, chez. Use it to say that are at or going to someone's house or place. Louise n'aime pas étudier chez Arnaud parce qu'il parle beaucoup. Ce matin, elle n'étudie pas parce qu'elle est chez sa cousine. Also, use chez to say that you are at or going to the office or business of a professional. like a doctor or a mechanic. chez le docteur. chez la coiffeuse. Question. when you want to use a pronoun to refer to a person after any type of preposition, don't use subject pronouns. instead, use disjunctive pronouns. first, let's look at the singular disjunctive pronouns. moi. toi. Lui, elle. Now, let's take a look at the plural disjunctive pronouns. Nous, vous, eux, elles. Let's take a look at a few examples, shall we? Marise travaille à côté de moi. Nous pensons à toi. Tu as besoin d'elle aujourd'hui? Vous n'avez pas peur d'eux. À vous.